Est-ce que tu peux te présenter ? Alors bonjour, je m'appelle Alain Brun, je suis coach FIFA pour l'école EGS et je fais ce métier maintenant depuis maintenant presque 18 ans. Ton parcours du coup Alors mon parcours il est quand même assez long. Au début on était rentré dans une équipe semi-pro qui était une équipe qui s'appelait In Extremis. Nous on avait apporté des résultats mais le sponsoring n'était pas venu. Donc du coup on a changé d'équipe et c'est là où on a fait un vrai bond dans le monde de l'e-sport, hein, clairement. On a été recruté par la team AAA, qui est une équipe pionnière de l'e-sport en France. Là, on a réussi à faire champion de France et champion du monde avec cette équipe. Ensuite, l'année d'après, on a fait vice-champion du monde. Et ça, c'était à ce moment-là, c'était avec Bruce Granek, qui est aujourd'hui clairement un des pionniers de la scène FIFA et même PES. Et ça a duré comme ça pendant une petite dizaine d'années. Au départ, on est parti de chez AAA pour être, on va dire, indépendant parce qu'on n'arrivait pas à retrouver d'équipe et on avait été recruté à cette époque-là par SK Gaming qui était une des plus grosses structures européennes. En termes de résultats, on a gagné notre dernier titre sur FIFA 13 où on a fait double champion du monde, ESWC et FIWC la même année. Donc là, c'était un truc assez fort quand même. Et ensuite, Bruce Granek a pris sa retraite. Moi, pour ma part, j'avais encore ce goût de la compétition, donc j'ai continué à rester. Je suis revenu à mes premiers amours, je suis revenu à la première équipe avec qui on avait commencé, Team AA. Et on avait réussi, on avait réussi à refaire champion de France de FIFA 15, il me semble, à la Gamers Assembly. Enfin, on avait gagné la Gamers Assembly et ensuite on avait refait champion de France de l'EA Sport FC, FIFA 15, ouais, c'est ça. Je me suis dit, autant continuer, tant que j'ai ce côté où je ressens toujours ce côté compétitif et cette adrénaline que je ressens pendant ces compétitions. À partir de ce moment-là, ça veut dire que je suis encore en vie et ça m'a permis de me dire il faut que je continue. Et là, on est venu me chercher et c'est le PSG qui est venu me chercher, où ils ont créé leur section e-sport. Et j'ai été recruté séparément en tant que coach avec un joueur qui venait juste d'être champion de France qui s'appelle Dax, Lucas Cuillerier. Ça a matché directement. Au bout de 3 semaines, on a fait champion du monde de SWC. Et pour le coup, là, ça me faisait mon 5e titre de champion du monde. Et tout de suite, l'année d'après, on a fait le back-to-back ESWC. On a regagné encore cette coupe, qui est pour nous une coupe très importante en France et même au monde. À l'EGS, nous, on propose un préparateur physique, Mathieu, un préparateur mental, Grégory Mallet, et également quelqu'un pour la naturopathie. Donc en fait, on met en avant l'importance de l'alimentation, du sommeil, de la gestion du stress. Toi, par rapport à ça, t'en penses quoi ? Alors moi, j'en pense que du bien. J'estime que d'être encadré par d'autres éléments que le coaching gaming, c'est très important pour les élèves, puisque en fait, ça permet d'avoir vraiment d'être sur tous les aspects de la performance. C'est-à-dire que pour être performant, il n'y a pas que de jouer beaucoup, c'est aussi une bonne alimentation, bien dormir avant une compétition. C'est vraiment tous ces petits détails mis les uns après les autres, ça permet d'optimiser les résultats tout simplement. Quoi. On voit beaucoup sur Internet des termes qui ressortent sur toi, comme par exemple l'homme de l'ombre. Est-ce que tu peux un peu nous éclairer sur ce sujet ? Après, un coach en soi, c'est pas quelqu'un qui doit prendre la lumière. Pour moi, c'est quelqu'un qui doit rester de son côté. Son seul but et unique but pour moi, c'est d'avoir des résultats, tout simplement. Je préfère être invisible et avoir des résultats que être trop vu et au final avoir une attente peut-être supérieure à ce qu'on attend et au final que ça ne fonctionne pas. Donc c'est même pas vis-à-vis des résultats que je fais ça, c'est juste que pour moi, un coach, ça doit se concentrer sur ce qu'il sait faire et le reste, c'est pas important, quoi. Concernant ton accompagnement, pour les élèves de l'EGS, qu'est-ce qu'il en est ? Alors, je m'occupe de plusieurs élèves, ils ont tous des niveaux un peu différents. Et le but du coaching, c'est de pouvoir leur apporter déjà mon expérience et aussi tout ce qui est analyse, tactique, de pouvoir les aider là où ils ont le plus besoin de moi, surtout. Après, il y a aussi la partie mentale, pour certains, où il faut... C'est un petit détail de mental qu'il faut corriger. Pour d'autres, c'est plus l'aspect technique où il faut qu'il y ait plus de travail. Donc, cibler vraiment le problème de chacun et de leur apporter tout ce qu'ils ont besoin de savoir, en fait. Après, mon rôle réel ici, c'est de les faire progresser, tout simplement. Chacun à leur niveau. Il y en a qui ont des facilités à assimiler plus vite, il y en a qui ont moins de facilités. Donc, c'est au cas par cas. Mais le but de tout ça, c'est de pouvoir les faire progresser
et pourquoi pas les amener à un niveau professionnel pour ceux qui ont le potentiel en tout cas. Évidemment, il y a une part de talent aussi en soi qu'il faut avoir, mais même si on n'a pas de talent, avec du travail, on peut quand même progresser.